Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue pour cette seconde journée de ContribuLink. Aujourd'hui, on aura trois sessions tout début. Chaque session durera 30 minutes pour présenter quelques aspects sur les langues en danger, comme on a commencé hier. La première session qui commence là tout de suite durera donc une demi-heure et sera animée par Lucas et Florian, qui sont des vétérans du dictionnaire, si on peut dire comme ça, qui vont nous présenter comment mettre une langue en danger, une langue rare, une langue morte, dans le dictionnaire. Donc, je ne vais pas trop tarder dans la présentation parce que je sais que Lucas et Florian connaissent très bien le sujet, beaucoup mieux que moi. Donc, je vous donne la parole à vous deux, Lucas et Florian. À vous. Merci beaucoup Anas, merci à vous tous et toutes d'être ici pour nous accueillir et nous écouter. Donc on va présenter cet aspect-là qu'on est en train d'expérimenter sur le dictionnaire. Avant de commencer, on va se présenter un tout petit peu. Florian, je te laisse commencer à te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Florian. Je suis étudiant en première année d'informatique et je viens de cliquer sur des boutons que j'aurais pas dû cliquer. J'essaie de revoir ton écran, Lucas. J'y arrive pas, c'est pas grave. Je suis Wikimédien depuis 2017 et je suis en fait arrivé sur le dictionnaire au courant du premier confinement et je suis tombé amoureux du Lorrain, le Lorrain, il y a à peine 3 mois. Voilà, et donc moi je suis Lucas Lévesque, vous pouvez me trouver sur le pseudo Liokoy sur les projets. Moi j'ai un petit peu plus d'expérience parce que je suis sur le Wiktionnaire depuis 2012. Et sur ce projet-là, je travaille depuis 2015 à essayer d'améliorer la description et la structuration des langues régionales de France, à la base de France, mais j'ai une compétence qui va de manière un petit peu plus large sur ce projet-là. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai cofondé Lingua Libre, qu'on est allé sur plein d'autres trucs néanmoins. Là, on va rester sur ce qu'on fait sur le dictionnaire. Donc aujourd'hui, cette présentation, elle a plusieurs objectifs. Le premier objectif, ça va être de vous donner des clés pour décrire une langue régionale, une langue en danger, une langue rare, voire une langue morte sur le dictionnaire. Quelles sont les différentes étapes à faire, à penser avant, après, avant, pendant. Donc on va parler pour l'exemple ici du dictionnaire francophone. Néanmoins, avec quelques petits changements, ça reste valide pour d'autres dictionnaires, d'autres communautés de dictionnaires qui ont, je dirais, un avancement à peu près équivalent. Voici la page d'accueil du dictionnaire. Donc, si vous voulez avoir une attache un petit peu visuelle, c'est ici vous pouvez voir en haut à gauche le logo, qui est le logo de la plupart des dictionnaires. C'est pas le cas pour tous, mais en tout cas, voilà. Le dictionnaire, qu'est-ce que c'est? Quels sont ses atouts pour décrire une langue rare, une langue régionale ou une langue en danger, une langue morte? C'est déjà qu'il est descriptif et pas normatif. Donc le dictionnaire, quelle que soit la langue qui va être décrite, va donner une description des connaissances qu'on a sur le sujet, des usages, mais il va pas privilégier un usage par rapport à un autre. Il va pas choisir une graphie. S'il y a plusieurs graphies qui sont en usage, plusieurs orthographes en usage, on va utiliser on va les décrire tous et on dira celui-là il est plutôt promu par telle académie, par tel groupe d'auteurs, par tel dictionnaire. Mais nous on ne prendra pas position. Ça sera aux lecteurs et aux lectrices de faire leur choix et nous on ne jugera pas ces choix-là. Les dictionnaires visent à l'exhaustivité de la description des lexiques, c'est-à-dire que le but c'est de décrire tous les mots de toutes les langues. Alors, vu qu'il y a plusieurs langues de description, l'objectif c'est aussi de le faire dans toutes les langues. C'est pas l'aspect qui va nous intéresser aujourd'hui, on va se contenter de tous les mots de toutes les langues, mais on peut viser l'exhaustivité à partir du moment où toutes les sources sont identifiées, et puis après, c'est le temps de les décrire. Une fois qu'on a fait le tour, on a fait le tour. Il y a une structure aussi, un de ses avantages, c'est qu'il y a une structure qui est très stable, mais qui reste évolutive, qui permet de prendre en compte toutes les exceptions petit à petit. Donc, à chaque fois qu'on découvre des nouvelles façons des nouvelles formes, de nouvelles choses qu'on n'avait pas mis en place dans la structure, on peut la faire évoluer légèrement pour qu'elle prenne ça en compte. Il y a une certaine liberté dans la description qui est pas
qui n'est pas totale, mais qui permet quand même de prendre en compte ces variations. Néanmoins, la structure de base est, elle, extrêmement stable, et c'est un des atouts majeurs, on verra dans la suite de cette présentation. Il y a aussi une structure de base, c'est-à-dire qu'on a déjà identifié dans le dictionnaire plus de 6200 langues, qui sont des langues vivantes, des langues rares, quel que soit l'aspect, mais aussi des langues mortes, des langues qui sont en perdition, voilà, il y a vraiment plein de choses, et on réfléchit régulièrement sur est-ce qu'on doit inclure cette langue-là, est-ce que c'est une langue ou pas. On préfère souvent les inclure que les mettre en dialecte, mais ça c'est encore des choix communautaires, et de toute façon on se base sur la recherche, ce que disent les linguistes pour qualifier une langue ou non. Déjà, le Wiktionnaire existe depuis maintenant, enfin depuis 2014, donc depuis maintenant 17 ans, et pour le français, dans le Wiktionnaire francophone, c'est le plus grand dictionnaire de français qui existe. On est à déjà plus de 390 000 lemmes, bientôt 400 000, et plus de 1,8 million de flexions, donc de formes fléchies, de conjugaisons et tout ça. Et cet aspect-là est très important puisque ça montre qu'on peut aller très loin, et on est encore loin d'être exhaustif pour le français, le saura-t-on peut-être jamais, mais en tout cas, ça montre qu'on peut aller en termes de masse d'informations assez loin. Enfin, le Wiktionnaire fait déjà l'objet de réusages scientifiques. Vous avez des projets Glawi, Glawiki, qui ont récupéré les données, qu'ils réutilisent, qui font des publications autour. Il y a un certain nombre de publications sur les prononciations et tout ça qui réutilisent le Wiktionnaire, que ce soit le Wiktionnaire francophone, anglophone, germanophone, ceux qui ont une base qui est un petit peu importante. Ça permet tout de suite d'avoir rapidement des données qui sont libres, donc librement réutilisables, et qui ne posent pas de problème à la republication ensuite, donc un certain nombre de chercheurs apprécient. Voici un exemple de mots, on parlera un petit peu du gaulois, mais voilà une langue morte, décrite. Voici à quoi ressemble un article. Donc on a vous pouvez voir les différentes sections de l'article, et en bas les références qui se veulent exhaustives. Alors je ne sais pas si on a fouillé tous les dictionnaires de gaulois qui existent, mais je sais que la plupart ont été identifiés et servent de source, et vous pouvez voir que dans la description du gaulois, là il est écrit en langue que je me rappelle bien, c'est du gallo-étrusque l'alphabet. On peut quand même donner un certain nombre de sources d'informations, et puis on peut l'illustrer quand même si la langue est morte. Et donc les limites du Wiktionnaire, c'est qu'à côté de ça, c'est pas une base de données lexicale. Il y a bien une base de données derrière le site, mais c'est pas une base de données qui est interrogeable facilement. On peut l'interroger, mais ça demande un certain nombre de compétences et surtout un certain traitement des données. Donc il n'est pas tout de suite interrogeable, c'est une des premières limites. Si vous voulez vous faire une base de données de LEM, c'est pas le but, on peut la faire a posteriori. Une autre limite du Wiktionnaire, c'est qu'il a une petite communauté. On a environ 250 personnes à contribuer régulièrement sur le projet, ce qui implique qu'il manque beaucoup de choses à dire, à faire, à structurer sur les langues. Il y a des pans entiers qui manquent de description, puisque on n'a pas de gens qui s'y sont intéressés, et là on est vraiment très dépendant de l'intérêt des personnes pour la contribution, puisqu'on est vraiment une petite équipe. Si quelqu'un ne s'est pas intéressé à une langue, on aura très vite pas grand chose, donc voilà. Et puis enfin, il y a pour la plupart des langues souvent une première étape qui est un mot, et en fait il reste tout le cadre de description à faire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment faire ce cadre de description, voilà, c'est souvent une première étape à faire quand on veut décrire une langue qui est peu présente sur le projet. Il y a toute une réflexion sur le cadre de description, mais pour ça néanmoins la communauté aide, elle est pas elle vous laisse jamais seul. Je vais faire cette première étape-là. Donc là, on va prendre en compte, on est fan d'une langue régionale, une langue rare, une langue en danger ou une langue morte, et on voudrait la mettre dans le Wiktionnaire. Donc on va commencer les étapes par étapes. La première étape, c'est qu'il faut établir déjà la vitalité de la langue. Bon, alors si on sait qu'elle est morte du Moyen-Âge ou tout ça, on va passer un petit peu à côté sur une langue rare en danger. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir cette vitalité. Comment on va pouvoir, enfin, qu'est-ce qu'il va falloir faire sur le Wiktionnaire pour pouvoir la décrire? Donc, vraiment établir la vitalité, c'est savoir s'il y a encore de la néologie, s'il y a des corpus qui sont accessibles, si c'est des corpus oraux, des corpus écrits. Toutes ces informations-là vont nous permettre de savoir à quoi on va avoir à faire quand on va vouloir la décrire, quelles sont les réalités décrites.
aussi, ça peut être intéressant si je prends des langues de France, des langues régionales, pour peu, par exemple, sur les langues d'œil, il y a assez peu de néologies, il y en a bien sûr, mais les réalités, ce sont surtout des réalités agricoles, donc on sait à peu près quelles sont les thématiques qu'on va aller chercher en premier. Là, on va avoir des sources par rapport à d'autres langues, donc ça, c'est des choses qui sont importantes à cibler. Et puis surtout, qui sont les locuteurs et les locutrices de ces langues? Est-ce qu'ils sont âgés? Est-ce que la langue, est-ce qu'ils sont encore jeunes actuellement? Est-ce qu'ils peuvent aider au projet? Est-ce qu'ils peuvent être intéressés pour décrire ça? Ou est-ce qu'au contraire, l'informatique est quelque chose où ils vont avoir un peu de mal? Du coup, il va falloir trouver une autre manière de les impliquer, si on peut les impliquer, s'ils veulent s'impliquer. Donc ça, c'est vraiment un premier état des lieux. On va se dire, bon, là, je vais avoir de la chance, je peux espérer ça. Là, je vais pas espérer ça. Il vaut mieux que je commence seul et puis que j'attire des gens. Beaucoup de discussions ont été faites hier sur ce sujet-là. C'est un truc, voilà, qu'il faut avoir en prémisse de la mise sur le Wiktionnaire. Je vais laisser Poslovitch faire la prochaine diapo. Cette partie-là, justement, elle arrive au moment où on a déjà du coup une première analyse de la vitalité de la langue qui a été réalisée. Et en fait, ça a permis de faire émerger bien souvent une première bibliographie de travail, notamment au travers de livres qui auraient pu être publiés récemment ou non, d'archives qu'on peut trouver dans les archives nationales, des corpus oraux qui, dans le cas du Lorrain, existent. Et donc, en fait, quand il s'agit de faire la bibliographie, on se rend vite compte qu'on dépend des publications, principalement, hein, pour le Wiktionnaire, et que ces publications, elles sont à la fois scientifiques, mais elles sont également, et parfois même pour la majorité, hein, selon les langues, issues d'amateurs, de personnes qui n'ont pas eu de formation scientifique en linguistique, en lexicographie. Et je tiens encore à rappeler également que, en termes de bibliographie, il y en a toujours plus qu'on ne le pense. Ça s'applique probablement pas à toutes les langues, hein, mais il est vite apparu que c'est en continuant de chercher sous la surface, chercher encore, et même parfois par pur hasard, par pure fortuité, on pourrait dire, qu'on découvre d'autres sources qui viennent compléter une bibliographie qu'on pensait à la base très limitée. Et en définitive, et c'est malheureusement un constat, c'est que les sources les plus qualitatives, parfois les sources, souvent même les sources scientifiques, ne sont pas forcément les plus faciles d'accès. Alors c'est une problématique bien plus large, mais dans le cas des langues, ça s'applique également, hein. J'ai trouvé plusieurs thèses dont je n'ai que le DOI, que l'identifiant DOI, et auquel je ne peux pas accéder pour pouvoir travailler. Je te laisse passer, Liokoï. Ensuite, à partir de cette bibliographie qu'on a réussi à former, il faut établir ce qu'on appelle un état de l'art, et je pense que si vous avez fait des recherches universitaires, vous en êtes assez coutumier. Un état de l'art, en l'occurrence, des différentes graphies, des systèmes d'écriture, qui ont été utilisés. Alors, ce peut être soit des graphies, on va dire, inventées, dans le cas d'une langue qui est principalement, qui n'a jamais eu de vrai support écrit. Mais ça peut être un alphabet tout à fait classique comme l'alphabet latin. Mais quand je pense à ces langues orales qui n'ont jamais été écrites, il y a typiquement pour les langues romanes françaises, il y a l'alphabet rousse-logé-liéron, en l'occurrence. Et donc ce sont des systèmes d'écriture que nous, on va pouvoir utiliser pour mettre la langue dans le projet. Il faut donc en fait les cataloguer. C'est le cas par exemple du gaulois où il y a eu le gallo-étrusque, par exemple. Mais où on utilise aussi, dans le cas des reconstructions pour cette langue, un simple alphabet latin. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cas. Non, reste à la dernière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on considère tous ces systèmes d'écriture en usage, ou alors qui ont été utilisés, comme étant valides pour la description, y compris ceux qui ne sont pas normalisés. Puisque souvent, en fait, ce sont les seules sources qu'on peut avoir. J'ai beaucoup de mots qui ne sont écrits que dans l'alphabet de rousse-logé-liéron en lorrain. Et donc, irrémédiablement, je vais devoir utiliser cette écriture pour décrire dans le dictionnaire. Voilà. En termes désormais d'état des lieux, pour continuer l'état des lieux d'une langue, il faut désormais s'intéresser à son analyse un peu plus grammaticale, à sa grammaire.
à tout ce qui peut permettre de la décrire. Sur le Wiktionnaire, on peut décrire énormément de choses. On peut faire les étymologies, on peut décrire la nature grammaticale, la catégorie grammaticale. On peut déterminer, on peut apporter les conjugaisons, on peut apporter les flexions, le pluriel par exemple s'il existe, mais également les différents cas de déclinaison. On peut également indiquer les régionalisations, qui sont aussi des descripteurs, dans le cas où un mot n'est présent que dans un certain village ou dans une certaine région. On peut apporter également les prononciations. Et enfin, on peut, bah, encore une fois, continuer à décrire, hein, comme avant, avec les graphies, mais il y a énormément d'informations qu'on peut rajouter encore et encore et encore. Alors, je vais vous parler... Pour faire un exemple d'une langue morte, mais qui est bien décrite, qui est rare, puisqu'on n'a pas grand-chose sur elle, mais on est quand même allé assez loin, c'est le gaulois. Parce que j'y ai travaillé pour faire une sorte d'exemple de langue morte, et on rejoint un petit peu les langues rares et les langues en danger sur certains aspects, c'est qu'on a peu de documentation dessus. Le gaulois, c'est déjà pas mal, on a déjà à peu près 7-8 dictionnaires sur le gaulois. Pour beaucoup, c'est à peu près les mêmes mots. Ça correspond environ, sur le Wiktionnaire, à déjà plus de 2000 mots qui sont décrits, et à peu près 2000 qui sont attestés, 2600 décrits, 2000 attestés, et à peu près plus de 500 formes qui sont reconstruites. On les prend en compte, les formes reconstruites, mais elles appellent systématiquement bah, qui l'a reconstruit, avec quel modèle, quelle méthode, et tout ça. Néanmoins, elles sont acceptées. Alors, elles ne sont pas dans l'espace principal, elles sont dans un espace à côté, où c'est bien indiqué que c'est une reconstruction, néanmoins, elles sont là. La plupart des dictionnaires sur le gaulois ont été ouverts et sont recouverts, c'est-à-dire qu'on a à peu près sourcé tous les mots qu'ils décrivent avec eux. Néanmoins, il manque un travail assez important sur les noms propres, qu'on n'a pas encore mis en place, qui correspond aussi à un aspect assez, assez important je dirais de la langue gauloise. C'est à peu près encore 2000 mots supplémentaires, 2000 noms. Voilà, là-dessus, on a un corpus qui est identifié, limité, grâce au RIG, donc le recueil des inscriptions gauloises. On sait quelles sont les attestations, on sait quelles sont les phrases, les mots et tout ça. C'est l'exemple que je vous avais montré, c'est bien une attestation d'une dalle avec interprétation de chercheur et tout ça. On pourrait en mettre plusieurs. Et donc voilà, on sait où on va, on a limité ça, mais tout ce travail-là a été fait pendant à peu près un an et demi, 2 ans, de discussions, de réflexions, et surtout d'avant même de commencer à mettre des mots. On a mis quelques-uns pour l'exemple et puis pour travailler dessus, mais on a listé toutes les sources qu'on a à disposition, tout ça pour savoir en fait comment y travailler dessus, puis maintenant on a un petit rythme de contribution sur le gaulois. Je vais montrer maintenant, je vais laisser la parole à Florian sur une langue qui est bien plus vivante que le gaulois. Excusez-moi, j'ai deux boutons. Bien plus vivante, mais malheureusement sur le grand déclin aussi. Hein, le lorrain est une langue qui est reconnue comme étant en danger par l'UNESCO. Et c'est une langue, encore une fois, je le répète, dont je suis tombé amoureux il y a seulement 3 mois. Et en seulement 3 mois, on peut déjà faire un énorme travail. Déjà, on s'est vite rendu compte au niveau du lorrain qu'il existait déjà sur le Wiktionnaire, mais en fait sous forme de deux codes ISO 693, si je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. C'est ça, mais qui était invalide en réalité, parce que on avait le gommé et on avait un code qui était FR-LOR, qui signifie français de Lorraine, mais qui ne signifie pas le lorrain en tant que tel. Le lorrain n'a pas de code ISO 693, mais donc on a la possibilité sur le Wiktionnaire, en réalité, de créer un code ex nihilo, qui nous permet d'écrire une langue et de commencer à travailler dessus en attendant qu'elle obtienne un code ISO 693. Et donc bah, ces deux langages-là ont été d'abord regroupés ensemble sous le même code, lorrain en l'occurrence, qui faisait consensus dans la communauté à ce moment-là. Il y a eu un gros travail de recherche bibliographique. Encore une fois, j'ai repris la méthode dont on vous a expliqué, c'est globalement la méthode que j'ai suivie au tout début, en février. Et j'ai, dès le début, découvert une ressource qui, en fait, est celle sur laquelle je travaille en même temps, en continuant ma bibliographie, cependant. Et donc, cette ressource, c'est le dictionnaire de Léon Zélixon,
le dictionnaire des patois romands de la Moselle, qui date de 1922-1924. C'est donc une ressource assez importante et de laquelle j'ai tiré cette première page. Est-ce que tu peux passer? Voilà. Cette première page qui est donc en fait littéralement tirée du travail de Léon Zélixon. Et vous pouvez voir dessus que j'ai déjà pu faire un travail d'étymologie, étymologie qui n'est pas apportée dans le dictionnaire de Léon Zélixon, mais ça montre en réalité qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce que les dictionnaires apportent, et on peut déjà voir que j'ai une prononciation, plusieurs définitions, des indications de régionalisme, notamment Léon Zélixon en fait partage la Moselle en différentes zones, en différents idiomes, qu'on peut voir ici, patois du Pays Haut, patois de Lille, patois messin, etc. Et donc j'ai déjà des définitions, une illustration, encore une fois tirée de Léon Zélixon, et un ensemble de références. Le travail est complètement sourcé au niveau de la définition, au niveau de la prononciation, et au niveau des variantes dialectales, par exemple. Lucas. Qu'est-ce que j'ai fait en réalité pour réutiliser le dictionnaire de Zélixon? Le dictionnaire de Zélixon, ça tombe bien, il est dans le domaine public et il a été numérisé par la BNF et mis sur Gallica. C'est aussi assez rare, mais j'ai quand même eu de la chance, relativement de la chance avec ça, dans le sens où la majorité des travaux dans le cas du Lorrain ont été effectués à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Et donc j'ai pu en réalité importer ce dictionnaire de Zélixon dans un projet frère de Wikipédia, un projet frère du dictionnaire, qui est Wikisource, sur lequel je travaille depuis février sur une retranscription méthodique et à l'identique du dictionnaire de Zélixon, ce qui me permet ensuite de pouvoir l'importer avec un programme semi-automatique dans le dictionnaire. Alors la page que je vous ai montrée, c'est le résultat d'une création et d'une modification manuelle, puisqu'il faut bien que je me crée moi-même un modèle, et il a fallu également créer tous les descripteurs dans le dictionnaire, hein, les régionalismes, etc., les graphies, pour pouvoir accueillir ces entrées. Mais maintenant que c'est fait, je commence à avoir un programme qui me permet d'intégrer automatiquement les entrées du Zélixon. 2000 seront bientôt rajoutées dans le mois qui arrive. 2000 sont déjà faites, j'ai déjà fait 100 pages sur 700. Et elles seront intégrées dans le dictionnaire. Et ce premier travail, en fait, c'est une sorte de prototypage qui va permettre de faciliter l'intégration future des autres ressources qui seront identifiées. Le dictionnaire de Zélixon, c'est un départ qui apporte un carcan pour intégrer les prochains dictionnaires que j'ai déjà trouvés et sur lesquels j'ai décidé de travailler. Et donc, on peut voir ici, on peut voir ici, notamment sur Wikisource, ce travail de retranscription. On voit sur la droite de l'écran, je ne sais pas si c'est miroir, sur la droite de l'écran, en fait, l'image qui est tirée du scan de ce livre. Et sur la gauche, on peut voir en fait, mon travail de retranscription. Alors, il n'y a juste pas la colonne, mais c'est une retranscription au clavier. Ça m'a pris presque déjà 200 heures, j'ai calculé. Donc, c'est une grande occupation. Alors, avant de conclure, pour rajouter un petit peu, parce qu'on a encore quelques minutes, donc notre conclusion arrive bientôt, on va pouvoir passer aussi sur les questions, ça vous laissera un petit peu de temps. L'objectif avec le Lorrain, c'est donc de récupérer un maximum de ressources, grâce à l'exemple qu'on fait avec le Zélixon, de récupérer un maximum de ressources qui se trouvent dans le domaine public et de les importer, de les retraiter, de les importer dans le dictionnaire, ce qui permettra d'avoir pour cette langue-là déjà une première ressource de base, parce que toujours mettre les mots les plus basiques des langues, c'est un aspect qui est assez, je dirais, rébarbatif pour à peu près tout le monde. Et on s'est aperçu sur le Wiktionnaire au fur et à mesure du temps qu'il y avait quand même pas mal de ressources basiques qui pouvaient être réutilisées librement sur les langues et qui permettent d'avoir un premier noyau de mots pour une langue et donc de la rendre à peu près utilisable. Et en tout cas recherchable, et de la mettre ainsi dans le réseau, parce que s'il n'y a qu'une dizaine de mots au début d'une langue, elle va
peut ressortir dans les moteurs de recherche, et le fait de mettre un réservoir de mots plus important fait tout de suite ressortir le projet Wiktionnaire comme étant une ressource viable sur cette langue-là. Et donc les gens vont s'y intéresser, et ça augmente nos chances de retrouver des contributeurs et des contributrices qui pourraient être intéressés pour nous aider à contribuer. Donc cet aspect-là, c'est quelque chose qu'on maintenant on essaye de pratiquer un petit peu. C'est tout l'intérêt de commencer par faire une relecture du Zélixon sur Wikisource pour l'importer après sur Wiktionnaire, car en un coup on va se retrouver avec pas mal de ressources, et peut-être même ça sera la seule fois où cette ressource est disponible textuellement, donc en recherche sur internet, pour qui s'intéressera au Lorrain avec une telle masse d'informations. Pour conclure, on peut voir grâce à ça qu'il est possible d'aller assez loin, même très très loin, dans la description d'une langue et de son lexique dans le Wiktionnaire, puisque à partir d'un moment où un mot a été décrit dans un dictionnaire ou alors qu'on en constate l'usage chez un auteur, une autrice, une émission de radio, quoi que ce soit, notamment pour les langues rares où on a peu d'attestations, à peu près n'importe quelle attestation unique peut servir. Il faudrait vérifier que la personne ne soit pas en création avant usage, mais si on constate que c'est un usage, il n'y a pas trop de problème, et donc on peut décrire vraiment beaucoup de choses, même si la langue, est morte. Pour le gaulois, on va arriver, je pense, au final à quelque chose comme 5000 mots, ce qui n'est pas rien. Néanmoins, on voit aussi qu'il y a encore un beau travail à faire sur les descripteurs, qui la plupart du temps sont vraiment au début de la description. La plupart des langues n'ont pas tous les tableaux de conjugaison, de déclinaison et tout ça, donc il y a encore pas mal de choses à faire pour équiper ces langues dans la description, mais c'est un travail qui est accompagnable par la communauté. Et la communauté est toujours prête à aider. Ça, c'est un aspect qui est assez important, c'est que il suffit de demander et on aura toujours quelqu'un qui vous accompagnera, qui aura une spécificité, une connaissance, où on pourra comparer. Il y a quand même beaucoup de langues qui sont déjà sur le Wiktionnaire, dont il y a eu une description qui est quand même un minimum avancé, et on peut comparer assez facilement les choses. Et pour finir, on va vous remercier déjà de nous avoir écoutés. On remercie Contribulingue d'avoir accueilli cette présentation, et on remercie l'INALCO, la Wikimedia, la BULAC, les Wikimedia, les Français, les Marocains, la BULAC et l'UQAM, de nous avoir accueillis aujourd'hui. Si vous avez des questions, on peut y répondre même en anglais. If you have a question, I can try to ask to respond in English, but with my level in English. Thank you. Merci. Et je vais juste compléter, éventuellement, si vous avez des questions à nous poser qui sont peut-être un peu plus techniques, qui prendraient peut-être un peu plus de temps, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, je vais donner mon adresse. Ce sera peut-être plus simple. Merci beaucoup Florian et Lucas. Et justement, j'allais vous proposer, s'il y a des questions plus techniques ou des personnes veulent discuter un peu plus, on peut aussi prendre les questions sur le chat. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question peut-être dans 10 minutes ou qui veut parler de quelque chose, vous pouvez aussi écrire sur le chat. Mais s'il y a quelqu'un qui a vraiment une question maintenant, qui prendra une minute, deux minutes, vous pouvez le faire. Sinon, on passera à la prochaine session. Alors, there is a first question about by Ilaria. Do you happen to have a publication about this work? I don't speak, read or understand French. Actually, we don't have to publish about this work, but maybe we are in creation of the description of this language, so we don't have lots of results. And maybe if Florian is convinced, I don't know, if he want, maybe we can try to do that. So yeah, actually not, but why not? Thank you very much, Lucas, in English. Donc merci beaucoup Lucas et Florian. Et comme donc Florian a bien mentionné, ils mettront leur contact sur le chat. Donc, si vous avez des questions dans le futur, n'hésitez pas à leur poser des questions en général sur les Wiktionnaires. So I will also say it in English. If you have any questions for Florian or Lucas in the future, they will leave their contact here. So please just feel free to contact them and ask them any questions you have.